Bonjour et bienvenue à cette célébration. Un des nôtres, François Trudel, sera ordonné diacre permanent par Mgr Gilles Lemay, évêque du diocèse d'Amos. En cette occasion, comme à chacun de nos rassemblements en Église, l'Esprit du Seigneur est présent au milieu de nous et suscite en nous une joie et action de grâce. Afin de favoriser un climat de prière, nous vous demandons de ne pas prendre de photos au cours de la célébration. Il y a déjà des personnes désignées pour le faire. Nous vous demandons également de bien vouloir éteindre vos cellulaires. Les règles sanitaires nous interdisent de chanter tous ensemble. Alors, c'est la chorale qui nous assure les chants. Merci de votre collaboration. Levons-nous par le chant d'entrée. Acclamons. Tissés dans le Christ, avançons dans la foi, celui qui donne la vie, l'amour, la paix, la joie. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, nos cœurs exultent de joie, chantons pour Dieu, alléluia. Tu es présent dans le pain de l'Eucharistie. Tu as apaisé ma faim, me donné la vie. Tu habites en ton prochain, c'est à travers lui que je peux prendre ta main, être ton ami. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, celui qui donne la vie, l'amour, la paix, la joie. Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi, nos cœurs exultent de joie, chantons pour Dieu, alléluia. De joie, chantons pour Dieu, alléluia. Attends un petit peu, je le mettrai après. Bon. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration solennelle, célébration très marquante, pendant laquelle François Trudel va recevoir le diaconat permanent. Alors, dans la joie et la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Je vous invite à vous asseoir.
que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Me voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère François Trudel et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Pour répondre à votre question, Monseigneur, j'invite Madame Jeanne Robichaud à vous présenter François Trudel. Cette personne nous dira comment ce candidat est en mesure de satisfaire à ses attentes. Monseigneur, vous tous ici rassemblés, je viens vous présenter François, mon beau-frère, mais aussi un bon compagnon de route dans la foi. Je vais vous parler un peu de sa conversion. En janvier 1986, François va connaître un grand changement dans sa vie. Je pourrais dire qu'il est passé des ténèbres à la lumière. En effet, François fait la rencontre de celui qui va transformer toute sa vie. Et cette personne s'appelle Jésus. Plus rien ne sera pareil. C'est ce que l'on appelle, Monseigneur, une conversion radicale ou à la Saint-Paul. Comme tout nouveau converti, François a soif de connaître son nouvel ami, d'apprendre, de découvrir tout de lui. Pour cela, il va se joindre à un groupe de prière, faire des lectures spirituelles, la lecture de la parole de Dieu et l'école de la foi. Il va aussi connaître l'existence des cafés chrétiens à Évin, où il va faire une première rencontre marquante pour lui dans la personne de l'abbé Joseph Guillot, qui sera une source où il puise pour grandir dans le Seigneur. Il apprendra beaucoup des enseignements de ce prêtre au cœur de feu. Je crois aussi que Jean Vanier, la famille Myriam Bethléem et plus tard la famille Solitude Myriam, avec qui il s'engage avec Louise, son épouse, comme membre externe. Ça fait maintenant 27 ans de cela. Je crois que ces gens ont été des personnes marquantes dans son cheminement spirituel. Je veux aussi souligner l'impact que cette conversion a eu sur sa famille. Tout change là aussi. La relation mari et femme. Vous savez, Louise, il l'a trouvée belle. Mais après cela, il l'a trouvée encore plus belle. Et plus ça va, plus il la trouve belle. Ils ont 5 beaux enfants. Une petite fille, Mathilde, avec qui ils vivent une belle relation. Complicité, écoute, respect. Sa famille, sa joie, son trésor. Je veux aussi ajouter qu'ils sont des témoins dans leur famille, ainsi que dans la grande famille de l'Église. François, dans son milieu de travail, est appelé parfois à travailler avec certains gens fragilisés par la vie. Mais il trouve quand même le moyen d'évangéliser. Premièrement, il les accueille sans différence. Ensuite, avec ces personnes, il prend du temps pour les écouter, les encourager, les conseiller. Et il est très patient avec eux.
Dès le début de son cheminement, François s'implique dans sa communauté paroissiale. Un amour pour l'Église, un désir de servir brûle en son cœur. Les tâches se multiplient, liturgie pour enfants, groupe de prière, équipe diocésaine et régionale au renouveau charismatique, préparation au sacrement, Alpha, école d'évangélisation Saint-André. Présentement, préparation au mariage, au baptême, à la confirmation adulte et autres tâches connexes. Comme Marie, comme Joseph, François a toujours su répondre oui à l'appel du Seigneur, et ça avec l'accord de Louise. Je me rappelle lorsque François m'a annoncé qu'il avait l'intention d'entreprendre un cheminement au diaconat. Il m'a dit, « Tu sais, Jeanne, je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'au bout, mais je vais prendre ça année par année. » Et moi, de répondre que je n'étais pas inquiète qu'il se rendrait jusqu'au bout. Aujourd'hui, mon Seigneur, nous sommes rassemblés afin de célébrer l'engagement au diaconat de notre frère François. Je tiens quand même à vous dire que ce désir germait depuis plusieurs années dans son cœur. Mais ces 5 dernières années ont été une confirmation pour lui. Encore aujourd'hui, cet amour de faire connaître le Seigneur est toujours présent. Je crois que François est prêt à répondre à l'appel qui lui a été fait, à marcher chaque jour sur le chemin qui lui a été tracé. Il est conscient que la route est encore longue, mais François est prêt à tout donner, comme le Christ, pour servir ses frères et sœurs en Église à travers le diaconat. Et aujourd'hui, mon Seigneur, c'est dans la joie que nous sommes rassemblés pour célébrer cette ordination diaconale. Je veux dire merci, Seigneur, pour cet appel que tu lui as fait. Le peuple chrétien a été consulté et la personne à qui il appartient d'en juger a donné son avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Madame Louise Robichaud, l'Église me demande d'ordonner diacre votre époux François. Acceptez-vous ce que le diaconat, qu'il va recevoir, apportera de nouveau dans votre couple et dans votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Louise, votre époux sera ordonné diacre. Je vous remercie pour votre accueil manifesté à l'appel diaconal de votre époux, pour votre participation assidue à la démarche de formation et pour votre acceptation aujourd'hui de son ordination au diaconat. Merci également pour votre générosité et vos engagements personnels en Église. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère François pour l'ordre des diacres. Et pour rendre grâce au Seigneur, nous nous unissons à la chorale pour chanter et louer Dieu dans le gloire à Dieu. «
Dieu, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, loué sois-tu, béni sois-tu, nous t'adorons, toi notre Père, nous te glorifions, nous te rendons. Le Seigneur. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à ton serviteur François, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans le service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ce sera maintenant la liturgie de la parole. La première lecture est au livre des Actes des Apôtres, au tout début, donc, de l'Église naissante. Les apôtres étaient débordés par les tâches. Ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer Jésus, mais il y avait aussi le service. Alors, c'est là qu'ils ont décidé de faire appel à d'autres personnes qu'on a appelées diacres pour le service des tâches. Alors, M. Robert Larouche, qui fait partie de l'équipe qui ont accompagné les diacres permanents, alors va venir proclamer la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent
il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table, et il leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, un bon nombre d'entre vous participez pour la première fois à une célébration d'ordination d'un diacre permanent. Et vous avez peut-être beaucoup de questions, comme quel est le sens du diaconat? Ou encore, quelle en est l'origine? Comment ça a commencé? Bien, les deux lectures qu'on vient d'entendre nous donnent les vraies réponses, les vraies et les bonnes réponses. Mais je veux le reprendre, le souligner avec vous. Dans l'Évangile qui vient d'être proclamé par un diacre permanent, Mario Coulomb, ça se situe au moment de la dernière scène. Le dernier repas que Jésus prenait avec ses apôtres. C'était une occasion très solennelle. C'était le repas de la Pâque juive.
On rappelait la sortie d'Égypte, la grande libération de l'esclavage en Égypte. Et puis, les Égyptiens, pas les Égyptiens, mais les Hébreux, avant de traverser, avaient mangé un agneau. Alors, la consigne que Dieu avait donnée à Moïse, c'est que chaque année, le peuple devait manger un agneau en rappel de cette grande traversée, de cette libération. Donc, c'est le contexte dans lequel se passe le dernier repas de Jésus. Et à ce moment-là, Jésus pose un geste qui a surpris tout le monde, entre autres Saint-Pierre, c'est qu'il a enlevé son manteau. Si c'était moi, j'enlèverais ma chasuble. Et puis là, il a commencé à laver les pieds de ses apôtres, un après l'autre. Qu'est-ce qui étonnait là-dedans? C'est parce que normalement, c'est le serviteur qui faisait ça, ou l'esclave. C'est là, lui, Jésus, le maître, qui l'a fait. Alors, c'est pour ça qu'à la fin, Jésus a dit, « Vous m'appelez le maître, vous avez raison. Je le suis. » Mais si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds les uns aux autres, c'est pour que vous fassiez la même chose. C'est un exemple que je vous ai donné. Alors, faites la même chose. Alors, donc Jésus, c'est le grand serviteur. Il avait dit d'ailleurs, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, le sens du diaconat, c'est d'être le portrait aujourd'hui, on pourra dire l'icône aujourd'hui, de Jésus serviteur. Maintenant, comment ça a commencé? Ça, c'est la deuxième lecture qui nous l'a. La première lecture, pardon. Le texte que M. Robert Larouche a lu, qui nous en donne la réponse. Il y avait de plus en plus de gens qui adhéraient à la foi chrétienne. Et puis, les apôtres étaient débordés par l'annonce de l'Évangile, puis se réservaient aussi des temps de prière. Puis là, il y a eu. Les Grecs qui se sont plaints parce qu'ils disaient « Nos veuves ne sont pas aussi bien attendues que celles des Hébreux. » Alors, là, les apôtres ont dit « Il ne convient pas qu'on délaisse la parole de Dieu pour le service des dames. Choisissez parmi vous des hommes, là, ils disent trois choses, estimés de tous, donc une bonne réputation, c'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, rempli de sagesse et puis rempli de bonté, rempli d'Esprit Saint, rempli de sagesse puis d'Esprit Saint. Alors, c'était le début des diacres. Les premiers diacres, ils étaient au nombre de 7. Dans l'histoire de l'Église, cela s'est perdu. Mais le Concile Vatican II, pour ceux qui ont mon âge et plus, on se rappelle que c'était de 1962 à 1965. Vous autres, vous n'étiez pas encore là. Hein? Puis vos parents, à peine, ils n'étaient pas encore mariés. Là. Bon, ils commençaient à avoir des connaissances, un petit peu de la vie. Hein? Bon, alors, le Concile Vatican II a décidé de faire renaître le diaconat permanent en disant, si dans les premiers temps de l'Église, on a fait appel à des hommes remplis d'Esprit Saint, de sagesse, pour une mission spéciale, qui est celui du service, à être signe du Christ serviteur, bien, ils ont dit, on a besoin de ça encore aujourd'hui. L'Église a besoin de ça aujourd'hui. Alors, c'est là qu'il a été décidé de faire renaître ou de remettre en place le diaconat permanent.
Permanent, c'est pour faire une distinction entre le diaconat de transition. Parce que celui qui se prépare à devenir prêtre, avant d'être ordonné prêtre, il est ordonné diacre. Actuellement, Fabio Nelson, que vous allez voir tout à l'heure à l'œuvre comme serviteur en service, alors lui, c'est un diacre de transition. Il sera ordonné prêtre l'an prochain, normalement. Diacre permanent, le mot permanent l'indique, c'est qu'il va demeurer diacre. C'est pour ça que ça peut être un homme marié. Les autres pas dans le sacrement de l'ordre, après diacre, c'est sacerdoce ou la prêtrise, puis troisièmement, c'est l'évêque, l'épiscopat, les trois degrés du sacrement de l'ordre. Donc, le diaconat permanent a été restauré au Concile Vatican II. Cela pourrait s'assurer que la spiritualité du service soit bien comprise. Et le Christ serviteur, pour que le Christ serviteur soit ramené pour proposer comme modèle à suivre aujourd'hui à travers le service des diacres. Et en 1967, donc 2 ans après la fermeture du Concile, c'est là que le pape Paul VI, qui est maintenant canonisé, Saint Paul VI, a décrété par les règles générales concernant la restauration du diaconat permanent, en a promulgué le décret. Les diacres sont des ministres ordonnés, incardinés dans un diocèse. Comme par exemple, François, il va être incardiné dans le diocèse d'Amos. Ils sont des collaborateurs de l'évêque et des prêtres dans l'unique mission évangélisatrice en vertu du sacrement reçu de servir le peuple de Dieu dans la triple diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité. Alors, ce sont les trois secteurs privilégiés de service pour un diacre. Je les répète, dans la liturgie, c'est pourquoi le diacre, au moment de la messe, il collabore avec le prêtre à l'autel. Bon, aujourd'hui, à cause des règles sanitaires demandées, il ne le fera pas, mais plus tard, quand on va revenir à la normale, vous le verrez. Ensuite, le service de la parole. Le diacre, non seulement proclame l'Évangile, mais aussi il peut faire l'homélie. Il peut aussi présider le sacrement du baptême. Le diacre peut présider des funérailles sans Eucharistie, comme des mariages sans Eucharistie. Alors, donc, le service de la parole, le service aussi de la charité. Le service de la charité, c'est l'amour pour notre prochain qui est traduit en action concrète. Et le service de la charité, c'est celui qui relie les deux autres. C'est celui qui est fondamental. Alors, le pape François a le souci de nous aider à bien comprendre la nature du diacre. En nous disant, le diacre, ce n'est pas un demi-prêtre. Pas plus que ce n'est pas non plus un demi-laïc, ni un super-laïc. Le diaconat, c'est donc une vocation spécifique, une vocation familiale. C'est la clé pour comprendre ce charisme du diaconat, c'est le service. Le diacre est le gardien du service dans l'Église. Et Jésus a ajouté, après avoir lavé les pieds puis avoir remis son manteau, il a ajouté,
Heureux êtes-vous si vous le faites. Après avoir dit, hein, je vous ai donné un exemple. Heureux êtes-vous si vous le faites. François, je sais que cette petite incise-là te dit beaucoup de choses, te parle beaucoup. Heureux êtes-vous si vous le faites. Et de fait, depuis que ta conversion, laquelle Jeanne a fait mention assez longuement tout à l'heure, puis profondément, depuis ta conversion le 8 janvier 86, tu as senti à ce moment-là, d'abord, au moment de ta conversion, ça s'est passé ici dans la cathédrale, puis dans le cœur, tu me dis, rappelais que l'évangile qui a été proclamé à ce moment-là, c'est l'évangile de la tempête apaisée. Les apôtres étaient dans la barque, étaient sur le lac, le vent a pris, puis de plus en plus fort le vent, puis la barque était ballottée, de plus en plus ballottée. Les apôtres avaient peur, très peur. Et puis là, ben, ils ont crié à Jésus, ils ont demandé de l'aide, ils ont crié « Sauve-nous! » Puis là, celui qui faisait la réflexion a invité les participants à appliquer cette parole de Dieu dans leur vie. Alors là, François, tu t'es vu dans ta propre barque, puis tu t'es senti ballotté aussi. Tu as vu le ballottement qu'il y avait dans ta barque. Et alors, selon ce que tu me rappelais, tu as dit à Jésus, « Embarque dans ma barque. Moi, je vais ramer, mais c'est toi qui vas gouverner. » Ensuite, il y a eu un chant de l'Esprit Saint. Là, tu me dis, « L'amour de Dieu a fondu sur toi. » Donc, saisi, baigné dans l'amour de Dieu, tu as compris que le Christ est vivant. C'était apparu vraiment, là, je dirais, là, dans ton intérieur, un cri du fond de l'âme, « Christ est ressuscité. » Christ est vivant, tu n'es plus jamais douté de ça. Et comme le disait Jeanne, à partir de ce moment-là, ta vie a changé. Ta vie a changé totalement. Tu avais beaucoup plus, tu avais maintenant soif de prier, soif d'écouter la parole de Dieu. Soif de te nourrir de l'Eucharistie, donc de participer avec régularité à la messe. Et tu me disais, quand je négligeais mes engagements de foi, je me sentais fragile et beaucoup plus vulnérable. Un autre point important aussi qui accompagnait ta conversion, il y a eu donc premièrement ta rencontre avec le Christ, ta rencontre personnelle. Mais deuxièmement, tu as réalisé que tu ne pouvais pas croire tout seul. Tu ne pouvais pas avancer dans la foi tout seul. Donc, le besoin de la communauté. Tu as compris que tu devais, à travers la communauté puis avec la communauté, être missionnaire. Être missionnaire en tout temps et partout. À la maison, dans ta famille, au travail, dans la paroisse. Je ne réénumérerai pas tout ce que tes engagements, Jeanne le dit tout à l'heure. Au travail, je vais tout simplement ressouligner comment tu travailles avec des jeunes adultes, des gens qui sont souvent très, très loin, éloignés de la foi, éloignés de l'Église. Mais ta façon d'être traité avec respect, avec bonté, avec tendresse. Ça touche leur cœur. Ça étonne. C'est ça, pratiquer la diaconie de la charité.
Quand je disais que la diaconie de la charité, là, c'est celle qu'on pratique en dehors de l'Église. La diaconie de la liturgie, évidemment, ça se fait dans l'Église. La liturgie de la parole, c'est habituellement dans l'Église. Mais la liturgie de la charité, c'est celle qu'on pratique dehors, qu'on pratique chez nous, qu'on pratique partout où est-ce qu'on a les deux pieds. Puis avec les gens qui sont sur notre chemin. Alors, c'est... en tout cas, moi, je rends grâce au Seigneur pour cette... ta conversion, puis cette globalité qui en a suivi. Cette semaine, mercredi dernier, c'était le premier mercredi du mois d'octobre. Alors, c'était la journée provinciale du diaconat permanent. C'est assez nouveau, ça. Ça fait longtemps que, pour les prêtres, par exemple, il y a le 4 août, Saint-Jean-Marie-Vianney, merci François, Saint-Jean-Marie-Vianney est proposé aux prêtres comme patron, comme modèle, puis c'est le 4 août. Pour les diacres, il y a bien le premier diacre, Saint-Étienne, qui est martyrisé, la fête c'est le 26 décembre. Il y a Saint-Laurent aussi qui est le 10 août, mais il n'y avait pas au Québec de journée spécial pour les diacres, alors on y a été décidé que ce serait le premier mercredi du mois d'octobre. Alors, on vient de le vivre ensemble mercredi dernier, et cette année, c'était le 7 octobre. Alors, cette journée-là, elle a deux buts. Prier pour le ministère, ce ministère ordonné, et donc pour les diacres, et aussi faire connaître davantage la mission des diacres permanents dans notre Église. Alors, cette mission-là, c'est un ministère aux périphéries, un mot qui est très, très cher au pape François. Aux périphéries, c'est-à-dire auprès des personnes qui sont éloignées de l'Église, qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. C'est ce que tu fais auprès des membres de ton personnel. Aux périphéries, c'est-à-dire auprès des malades qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, qui ont besoin de compassion. Aux périphéries, soit auprès des familles, des jeunes couples qui portent en eux le désir d'être écoutés et accueillis. C'est ce que tu fais avec Louise dans la préparation au mariage et la préparation au baptême, et maintenant avec tes propres enfants. Ensuite, aux périphéries, c'est-à-dire dans le quotidien de la vie où l'Église est appelée à témoigner. Pour votre information, au Québec, il y a plus de 400 diacres permanents dans la province de Québec. Nous autres, ici, on en a 4. Donc, c'est 1%. C'est pas pire. C'est un bon commencement. Au Canada, il y en aurait environ 1100. Pour terminer et en résumé, le diacre, c'est l'icône du Christ serviteur. Le diacre n'a pas le monopole du service, parce que tous les baptisés sont appelés à servir. Il y a une question pour nous aider à développer l'esprit de service, l'ouverture à l'autre. Et je termine avec ça, avec cette question-là. Ce serait qu'une proposition, puis une question. La proposition, c'est que peut-être chaque soir, avant de se mettre au lit, se poser la question, puis essayer d'y répondre, évidemment. Ai-je fait quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui? Ai-je fait quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui? Quelque chose de bon, ça s'entend. Amen.
Nous arrivons au moment de l'ordination. Nous allons d'abord invoquer l'Esprit Saint. Nous faisons appel à l'Esprit Saint avec le chant qui suit. Le futur ordonné revêt l'aube, le vêtement du baptisé qu'il portera pour exercer son ministère liturgique. L'épouse du candidat aidera son époux à revêtir l'aube. Ce geste signifie qu'elle continuera à l'accompagner dans son ministère.
fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant la communauté rassemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec les saints et les saintes qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qui l'a choisi comme diacre. Demandons aux saints et aux saintes de répandre sur François la grâce de sa bénédiction. Je vous invite à vous lever pendant les litanies des saints. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Ange du ciel, sages et prophètes, Joseph et Baptiste, Paul, Pierre et Jean, les évangélistes, tous les apôtres de Jésus. Marie, Madeleine, Étienne et Laurent, témoins et martyrs. Mères et sœurs de tout rivage, de tous les temps,
de chez nous, priez pour nous. Grégoire Augustin, Basile Athanase, Père d'Orient et d'Occident, Martin et Bruno, François Dominique, Jean de la Prière, Bernard et Benoît, Thérèse Avila, fondateurs d'ordre et de mission, Antoine et Damien, Thomas Catherine, scruteurs de mystère. Frères et sœurs de tout rivage, frères et sœurs de tous les temps, peuple des croyants, aux mille visages, saints de chez nous, priez pour nous. Cécile et Agnès, Agathe et Lucie, Félicité et Perpétue, Jeanne et Geneviève, Claire et Bernadette, fleurs de la tendresse, Jean de Brébeuf et Isaac Jean, avec leurs compagnons martyrs. Marguerite Bourgeois, Marguerite Yauville, gloire de notre Église. Frères et sœurs de tout rivage, frères et sœurs de tous les temps, croyants, aux mille visages, saints de chez nous, priez pour nous. Catéridina, Catherine et François, et Marie de l'Incarnation, Saint Frère André, Saint Père François, Bâtisseur de Dieu, Marie-Léonie et Marie-Rose, témoins de foi et d'espérance, Marie-Anne Blondin, Émilie Gamelin, modèle d'amour. Sœurs de tout rivage, frères et sœurs de tous les temps, peuple de croyants, aux mille visages, saints de chez nous, priez pour nous. Prêtres et diacres, tous les consacrés, témoins d'amour de l'Évangile, Saint Jean 23 et Saint Paul VI et Saint Paul II, Saint de nos familles, Saint de tous les peuples, germe de l'humain. Étoile d'Église, flamme sur nos routes, peuple de lumière. Frères et sœurs de tout rivage, frères et sœurs de tous les temps, de croyants, aux mille visages, saints de chez nous, priez pour nous.
contre toi favorable. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et de tout péché. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta vie cachée à Nazareth. Délivre-nous, Seigneur, par ta douloureuse passion. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté le pape, les évêques et les prêtres. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de bénir Gilles, notre pasteur bien-aimé. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de bénir et de combler ceux et celles que tu as appelés. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de bénir tous les jeunes du monde. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous, Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, ce qui va suivre, c'est l'essentiel du sacrement. C'est le geste propre à l'ordination que les apôtres ont posé sur les sept premiers, soit imposer les mains en invoquant l'Esprit-Saint. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Et par la suite, il y aura la prière qu'on appelle de consécration pour le ministère du diaconat permanent.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel et qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de trois ordres différents. Les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de l'Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, on choisit, sous l'action de l'Esprit-Saint, cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère d'État. Regarde maintenant Dieu très bon. Celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'Esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint. En donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le nouvel ordonné sera revêtu de l'étole diaconale. Portée en bandoulière, elle est le signe distinctif de l'ordre. Ensuite, l'évêque lui remettra l'évangile.
Recevez l'Évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. François, ce dernier rite complète l'ordination au diaconat permanent. Tu es maintenant devenu diacre. Alors, François, je vois que tout le monde est heureux, pas juste toi. Toi, ton cœur débat fort, fort, mais nous sommes tous dans la joie et nous te souhaitons d'être un témoin assidu, un témoin joyeux du Christ serviteur. Sois dans la paix aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Je te souhaite beaucoup de paix. Et va échanger cette paix avec ton épouse Louise et tes enfants. Je vous invite à vous asseoir. Nous sommes dans la joie, l'action de grâce. Alors, cette action de grâce qui habite nos cœurs, notre reconnaissance, on va l'exprimer dans l'offertoire. Nous poursuivons l'Eucharistie. Alors, tout ce que François réalise dans sa vie, à la maison, ses relations familiales avec son épouse, avec ses enfants, ses relations de travail, d'amitié des gens qui l'entourent, et puis le travail manuel, puis aussi le nôtre. Tous nos travaux, toutes nos activités, on les offre au Seigneur avec le pain et le vin qu'on va maintenant présenter à Dieu notre Père. De notre monde.
fait la table, comme on lui noue le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prier le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux signe d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, sa voix baisser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour. Servir par amour comme lui. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulu laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Le ciel et la terre sont remplis.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Gilles, l'ensemble des évêques, les prêtres, ceux qui les assistent, notre frère François, que tu as choisi aujourd'hui pour qu'il serve ton peuple comme diacre, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus donnait beaucoup d'importance à sa relation avec son Père. Il le priait très souvent. Et il aussi nous enseignait à prier à la demande de ses disciples. En ouvrant notre cœur à toutes les personnes qui ont besoin sur la terre, aux gens qui sont peut-être blessés dans leur amour, disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on n'échangera pas la paix avec une poignée de main, mais peut-être avec un regard, un sourire. Et moi, de mon côté, ben, je vous dis, la paix soit avec vous. Sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur? Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, vous resterez dans vos bancs. Les prêtres et les diacres iront vers vous
avec leur couvre-visage et vous donneront à communier seulement dans la main. Ceux et celles qui ne veulent pas communier, vous demeurez assis, pendant que les autres se lèveront et présenteront une main toute grande ouverte sans dire un mot. Le corps du Christ. Amen. Ton cœur à la présence de Dieu, reçois son amour, la paix du Seigneur, reçois aujourd'hui. Dans cette Eucharistie, je sens ta présence, ton amour me guérit. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Dans ma vie aujourd'hui, sois son amour, Jésus, pain de vie, Jésus est avec nous, dans l'Eucharistie, accueille sa lumière. Dans ma vie aujourd'hui.
Prions encore. Père très bon, toi qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ce nouveau diacre François, toujours fidèle au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le nouvel ordonné va maintenant s'adresser à nous. Vous comprendrez que dans les circonstances, il n'y a pas de réception officielle après la célébration. Cependant, après la bénédiction finale, vous pouvez venir féliciter le nouvel ordonné en respectant les consignes, couvre-visage et distanciation. Nous vous remercions de vous être déplacé pour cette célébration historique. Merci, Francine. Hey! Wouh! Hein? C'est ça. Il y a juste le bon Dieu pour faire des affaires de même. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Oui? C'est sûr... Un aboutissement comme ça, ça se fait pas tout seul. J'ai été un homme choyé dans ma vie, puis je tiens à faire des remerciements. Je vais prendre 5 minutes pour faire des remerciements à toutes ces personnes qui m'ont côtoyé dans ma vie, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. C'est bien sûr que je vais commencer avec Louise. Hein. À toi, Louise, merci. J'aime le nous que nous formons, avec nos différences, nos aspirations et tout ce qui nous rend nous. Puis je crois fermement qu'en amour, c'est comme le bon vin, le meilleur est pour la fin. Hein? Merci, Louise. Tu m'accompagnes encore. Puis... Aux enfants, Stéphanie, David, Simon, Juliane, Anne-Marie. Merci pour vos encouragements, votre soutien, pour l'amour et l'attachement que vous avez les uns pour les autres. Ça, pour moi et Louise, c'est un vrai trésor de voir l'unité que vous avez entre vous autres. Vous sachant loin de l'Abitibi, vous êtes proche de cœur. Merci à vous. Merci pour les sacrifices que ça vous a amenés aussi pendant toute votre vie avec les engagements qu'on avait, Louise et moi, en pastoral. Mais je suis convaincu que ça fait de nous des meilleurs parents. Je vous aime beaucoup. Bonjour, Mathilde. À vous, Monseigneur Lemay. Hein? Est-ce quelque chose, hein? Oui. Vous êtes vraiment audacieux d'avoir lancé ça dans notre diocèse, hein? Ben, c'est l'audace de l'Esprit-Saint. Oui. Un gros merci, hein? On vous doit tout notre respect, notre amour, vraiment. Merci pour votre audace d'avoir institué le diaconat permanent dans notre diocèse. Merci pour votre accompagnement et toute la confiance que vous nous portez dans nos engagements. Ça paraît. Surtout pour l'amour que vous manifestez là, comme un bon père de famille à ses enfants. C'est très fort chez vous. Je vous remercie. Merci aux trois couples accompagnateurs. Hein? Ils nous ont accompagnés depuis 5 ans. C'est quelque chose. Je vois Michel, Nicole qui voyageaient de Lasserre à toutes les rencontres pendant 5 ans. On avait au moins une rencontre par mois. Hein? Vous avez toujours été là
beau temps, mauvais temps, je vous remercie beaucoup. Merci aux autres couples accompagnateurs, Robert et Judith, Mario et Joanne, qui sont plus proches de nous, plus proches de moi et Louise aussi. Mario, merci pour tout. Joanne, on s'attache beaucoup à vous. C'est très beau, ta relation d'amitié qui s'est bâtie pendant ces années-là. Merci à vous tous, les couples accompagnateurs, pour votre complicité, votre expérience de la mission, toute la sagesse avec laquelle vous nous avez fait goûter vraiment les mystères de notre salut. On a entré dans le mystère. Maintenant, il faut la partager. Il faut porter du fruit. Il y a un fruit qui demeure. Pour toutes les délicatesses et fidélités à nos rencontres et ces liens d'amitié qui nous fortifient, puis ça contribue à bâtir un monde meilleur. On est comme la levure dans la pâte. Allô? Allô, comment ça va? Tu viens-tu nous jaser ça? Oui, OK. Un gros merci aussi à l'abbé Martel. C'est un peu comme notre grand frère. C'est le curé de la paroisse. Il y a plusieurs responsabilités. Mais lorsqu'on est en sa présence, on ressent cet amour, cette amitié d'un grand frère. Merci, l'abbé Raymond. On se pratiquera pour les futurs diacres, pour l'étole, c'est sûr. Oui. ça montre qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres, surtout des épouses. Oui. Je veux remercier aussi... Maurice, qui vient d'être ordonné diacre, compagnon de route, compagnon fidèle, Carmel, son épouse. Éric, qui n'est pas là présentement, il est en service, il est en train de présider une funéraille. Marie-Claude, qui est là. Merci, Marie-Claude, d'être là. Il y a un peu d'Éric avec nous, avec toi. Merci. À nos familles respectives, de Louise et moi, ça n'a pas poussé tout seul, un diacre. Avant j'ai la foi, ça l'a pris un terreau familial imparfait, mais très fertile, par contre. Je veux remercier André qui est là. Mais André, je t'aime, mon petit frère. Nadia qui l'accompagne. Oui, c'est un terreau imparfait, fertile, pour une croissance véritable. On part avec ça, puis... on vit une belle croissance. Même si les frères en Louise ont été des agents assez actifs pour mes purifications, je vous aime. Elle a 7 frères. Alors, nos fréquentations ont été fructueuses. Ça a fait de moi un bon gars pareil. Je vous remercie d'être là, Guy, Luc, Christiane, l'épouse de Jean-Pierre, Denis. Merci d'être là. Une chance que Louise avait 6 sœurs. J'étais venu mettre un baume sur le reste. On oublie vite dans ce temps-là quand on se fait gâter par les belles sœurs. Mario, tu sais ça. Alors, merci à vous. Pour tout le respect, en tout cas, que vous avez manifesté envers moi. Puis les encouragements aussi. Merci, Denis, d'être là. C'est la Providence qui t'amène ici. Je le taquine tout le temps avec ça. Merci, Denis. C'est mon voisin, en plus, Denis et Joanne. C'est les meilleurs voisins que j'ai jamais eu au monde. Puis je tiens à le préciser parce que ça fait que une belle qualité de vie. Puis je tiens à le dire devant tout le monde comme ça, parce que c'est précieux pour moi. Puis c'est ça qui me forme aussi. Ta générosité puis tout ce qui vient avec. À la famille Solitude Myriam, qui ont joué tout un rôle dans mon cheminement. À tous ces membres qui sont ici aussi. Ils ne sont pas tous là, c'est sûr. Il y en a quelques-uns. Merci d'être là. On chemine ensemble depuis une trentaine d'années, quasiment. Oui.
pour tout ce qu'on a vécu, toutes ces rencontres qu'on a bénéficiées, hein, qui a fait de moi un meilleur époux, un père plus présent à ses enfants. C'est grâce à vous autres, ça, par votre spiritualité conjugale, parentale, puis ecclésiale envers l'Église. Vous m'avez allumé là-dessus. Puis je suis convaincu que les enfants en ont profité, puis Louise aussi, puis surtout moi. Merci à vous, Yvonne, Lisette, qui sont là. Francine, qui est notre responsable de la maison ici. Merci beaucoup. Merci. Je veux dire un merci spécial à mon grand frère dans la foi, M. Jules Lescaut. Jules nous a accompagnés depuis les débuts, quasiment. Il était très actif dans les groupes de prière. Tu as été un pilier solide pour nous, Jules, dans notre formation à la vie chrétienne. Jules et Josette font partie aussi de Solitude Myriam. Et Jules a vraiment ce charisme de formation solide, toujours en lien avec les pères d'Église, avec la tradition de l'Église, avec le magistère. Tu nous as toujours alignés dans la vérité. Puis ça nous a rendus libres à tous les membres. Ça nous a rendus libres. Tu nous as permis, Jules, par tes enseignements, d'atteindre cette liberté, de trouver la joie de croire, la joie de la foi. Puis je t'en remercie sincèrement, là, c'est un beau charisme, puis tu nous l'as fait partager. On a pu en profiter. Puis Josette qui l'accompagne, toutes nos rencontres Alpha, les parcours Alpha qu'on a vécu chez vous. Et je souhaite donc qu'un jour ça revienne dans la paroisse pour un renouveau dans l'Esprit-Saint, un renouveau de nos paroisses. Merci aux servantes de l'agneau qui ont été pour moi, hein? Béatrice, Nathalie, Cécile, Pierrette. Eux autres, ça doit faire une éternité qu'ils prient pour moi. Ce sont les paratonnerres que j'ai besoin. Je suis certain qu'ils vont continuer à le faire pour mon ministère. Je compte sur vous. Je compte sur vous, puis je vous en remercie sincèrement. Béatrice, t'en souviens-tu les premières rencontres de groupe de prière? Béatrice était présente à ma conversion. J'avais 28 ans. Ah, et ça ne te rajeunit pas, hein? Oui? Oui. Oui, parce que je suis sorti la tête entre les deux jambes, là, un peu, puis je suis sorti vivant. Hein? Ça a été radical. Puis je me souviens des premières rencontres, tu disais, François, et que je te verrais diacre. Mais moi, je ne savais pas pantoute, je ne connaissais même pas le mot. Mais ça a pris 35 ans. C'est correct. L'important, c'est le produit fini, mais ce n'est pas fini encore. Merci, Béatrice. Ta fidélité, ta vie de foi, ta foi qui se communique, puis qui se transmet, puis qui est contagieuse aussi. C'est sûr, je remercie aussi le groupe de prière charismatique qui ont joué un rôle très, très important, parce que c'est grâce à vous que l'Esprit-Saint m'a enfanté une vie de foi. Merci aussi à tous ceux et celles avec qui on a œuvré, Louise et moi, à l'École d'évangélisation Saint-André. On a fait plusieurs années ensemble. On a vécu vraiment des belles sessions d'évangélisation, surtout avec les églises sœurs dans tout le diocèse. Hein. On est allé à La Sarre, Val-d'Or. Faites le tour. Ça a été vraiment une belle expérience de foi. On a vécu une belle croissance là. On a pu voir les réalités dans chaque paroisse, ce qui a besoin d'être apporté, puis tout. Puis Estelle, t'étais là. Hein. T'es encore là, d'ailleurs. Ils sont fidèles, eux autres sont encore là. Moi, j'ai laissé poursuivre ma formation un peu plus intense. Puis merci de votre fidélité et de votre dévouement. Vraiment, là, ça tire du jus, ça. Ça a l'air de rien, là, ça tire du jus. Je suis trop long? Ça achève. 2 minutes. Merci, Sœur Carmen, des cellules d'évangélisation. Je veux remercier, je vois M. André Bergeron à l'arrière. Il était un prof qu'on a eu durant l'École de la foi. Puis c'est un homme qui m'a marqué dans ma formation. André, je suis vraiment étonné que tu sois là. Je t'en remercie. Puis pas juste étonné, je suis content. Je suis vraiment dans la joie parce que tu as toujours été présent.
On se voyait de temps en temps quand je faisais les circulaires à la ferme, là, dans ma run. Puis on s'est vus de temps à autre, puis ça a toujours été une joie de les retrouvailles qu'on avait. Merci pour ce que tu nous as apporté à l'École de la foi. Et puis, sœur Rita, qui était là aussi, ça, on a vécu ça il y a une trentaine d'années, l'École de la foi. Ça... Hey, c'est un beau cadeau que vous faites, que vous soyez ici toutes les deux. Merci. Je veux pas oublier, là, tous ceux et celles avec qui on travaille, Louise et moi, ici dans la paroisse. C'est innombrable, les bénévoles qui nous accompagnent, puis tout. Puis c'est toujours, il y a une vie de famille dans ça. Je veux remercier aussi les marguillés. Depuis la COVID, là, ils ont multiplié les tâches par deux, puis par trois, puis encore. C'est pas évident. Ils ont été présents, ils ont été à l'écoute. Et puis, je vous en remercie, Pierre, au nom de toutes les marguillées, tu leur diras, là, on apprécie beaucoup votre travail. Alors, merci à l'équipe musicale qui nous a animé ça. C'était génial. Merci à Michel qui a chanté l'Litanie. Pierre Tremblay, notre cérémoniaire. Pierre qui est aussi un bon formateur pour nous, pour Louise et moi. Tout au niveau liturgique, il est très bon là-dedans. C'est un homme qui exécute ses tâches avec noblesse. Puis ça, c'est important de le souligner. Puis j'aimerais donc pouvoir vivre ça à la façon qu'il nous l'a transmis. C'est quelque chose de très noble de servir autour de la table du Seigneur. Hein? Merci à Suzanne Gagnon, notre sacristaine. Je suis bien content que tu aies pu nous rendre ce service-là. Merci beaucoup. Et pour terminer, je remercie Jeanne. Ça te dérange pas, je t'ai gardé pour la fin. Jeanne, ça a été un peu de tout. Parce que je partais de rien. Puis Jeanne, elle m'a toujours encouragé à persévérer dans la foi. Puis tu étais un modèle par ton zèle. Puis ça m'a toujours inspiré. Puis ça m'inspire encore. Merci pour la présentation que tu as faite. C'était vraiment... génial, puis tout ça. Merci à Mario, Mario, c'est l'homme de service, c'est l'homme de prière aussi. Mario, c'est Saint-Joseph. Pour moi, c'est Saint-Joseph. Un très grand priant, puis un homme de service. Bien, un gros merci à toutes vous autres qui avez assisté à cette belle cérémonie, à cette belle ordination. Puis je veux vous dire toute ma joie d'être rendu là. Vous avez devant vous un homme accompli, heureux, grâce à toutes vous autres, parce qu'il y a tout du vous autres là-dedans. Il y a tout du vous autres. Vous êtes tous des gens que je connais et qui ont participé à ça, au travail. Merci Val d'être là avec Jerry, puis Denise, Micheline. Je vous aime. On se revoit mardi. Je dis pas lundi parce que je travaille pas lundi, j'ai pris congé, puis je serais pas supposé vous faire travailler lundi. Vous venez faire du bénévolat. Merci à vous tous. Si vous me permettez, Monseigneur, j'ajoute un petit mot. Tout simplement pour vous dire que l'un de vos prédécesseurs doit être très heureux de ce qui vient de s'accomplir dans notre église diocésaine depuis le mois d'août dernier. Et je pense à Monseigneur Albert Sans Chagrin, qui a beaucoup œuvré au moment du Concile Vatican II, pour que dans l'Église canadienne, le diaconat permanent puisse être restauré. Il a tellement œuvré de ce côté-là qu'on l'a même nommé sur la commission que Paul VI avait mis en œuvre pour l'étude de la restauration du diaconat au niveau de l'Église. Alors, c'est pour ça que je dis, Monseigneur Albert Sans Chagrin doit être très heureux, je dirais, de cela. Monseigneur Albert Sans Chagrin, qui a été
administrateur apostolique ici dans notre diocèse de 1959 à 1967. Je le connais un petit peu parce que ça a été le sujet de mon mémoire de maîtrise, alors il a fallu que j'apprenne à le connaître. Puis je l'ai rencontré en personne aussi, j'ai eu ce bonheur-là. Bon, je ne vais pas prolonger parce que le temps passe bien. Merci, Monseigneur, de la célébration de ce jour. Un nouveau diacre est aussi donné à notre Église diocésaine, mais particulièrement à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Ça, c'est un cadeau qui nous est fait. Je vous en remercie beaucoup. François, merci d'avoir dit oui. Louise, merci d'avoir dit oui. J'espère que tu as bien dormi la nuit dernière. Ça ne t'a pas empêché de... T'es good. Merci. Merci beaucoup. Chers amis, juste un petit prône, bref, parce que je ne veux pas laisser ça à Monseigneur. Si jamais vous aimez soutenir l'Église d'ici, la communauté, vous pourrez faire un don à la sortie dans un des paniers. Si vous n'avez pas été satisfait de la célébration, vous pourrez en reprendre. Mais attention, ce sera sous l'œil vigilant de M. Pierre Roch, alors je ne sais pas s'il vous laissera en prendre. Et si le panier n'est pas assez grand, vous pouvez fouler. Monseigneur, je vous laisse la parole. Merci. Alors, j'ose pas ajouter d'autres commentaires parce que tout a été dit. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Moi aussi, mon cœur exulte de joie. Et puis, déjà, François et Louise, vous avez donné le témoignage d'un couple constant dans le service, constant aussi dans l'amour pour les autres. La question que j'ai posée à la fin de l'homélie, est-ce que j'ai pensé à quelqu'un aujourd'hui? Je sais que ça ne vous coiffe pas, vous autres, parce que vous êtes déjà en marche là-dedans. Mais là, je ne sais pas, on a besoin de vous autres. Alors, je veux remercier les prêtres qui sont présents, tous les prêtres qui sont venus, les diacres permanents, puis le diacre Fabio Nelson, qui a été, comme d'habitude, là, attentif à chacun des gestes posés. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. François, Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église. Qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ. Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Amen. Dieu a fait de vous des intendants, de toi un intendant de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et vous tous et toutes ici présents, que notre Dieu, tout-puissant dans son amour, dans sa bienveillance, dans sa tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ et soyez ses témoins. Bravo, bravo, bravo. Bienvenue. Très bien, très, très bien. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
semer en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin des fois. Et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Oui, oui, merci. Si j'avais fait, comme d'habitude, j'aurais attendu les bras parce qu'elle serait assise en soi pour moi. Mais... Comme c'est fini. Tu appelles l'Esprit. Bonjour. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de moi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin. On a trois diacres. Mais là, je